Bonjour à tous les petits pincapeurs et pincapeuses, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la table du mois, ce coup-ci sur un flipper que j'apprécie particulièrement. Bien entendu, vous vous doutez que toutes les tables du mois, c'est des flippers que j'aime. C'est un flipper qui est assez déjanté et super fun, c'est Junkyard. Alors c'est un flipper qui est un peu particulier pour moi, parce que ça fait partie des premiers flippers mécaniques que j'ai eu à rénover. C'est pour ça que c'est un flipper aussi que j'aime beaucoup. Un flipper qui date de décembre 1996. Je pense que vous commencez à me connaître et vous savez très bien que ça fait partie des années 90, bah de ce que je préfère, bien entendu. Un flipper de chez Williams, encore une fois, hein, vraiment les flippers top de ces années-là. Plus de 3000 exemplaires fabriqués. Et puis, au niveau des particularités, bah, si on regarde une chose assez marrante, on va avoir ici une chasse d'eau voilà, avec des toilettes dans lesquelles on va pouvoir trouver des junk, hein, donc qui sont des ordures, hein, je vais vous expliquer après au niveau du gameplay et puis au niveau des règles. On voit ici aussi qu'on a un bus dans lequel on va avoir des collectibles. Il y a un chien ici qui est dans sa niche, qu'on voit ici mieux designé aussi en termes de dessin. Et puis il y a aussi une zone très très particulière qui est la zone de la boule ici, qui est une zone qui est mobile et qui va nous permettre de taper au niveau des cibles. Voilà, on a vraiment pas mal de choses sur ce flipper. Et puis quand Jessica elle vous parcourt le plateau là, c'est vrai que vous allez remarquer en termes de dessin, enfin je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Je sais pas ce que t'en penses, Jessica. Oui, je trouve aussi. Ça c'est vraiment super sympa. Et je dirais que ce qui est marrant aussi au niveau des dessins et puis au niveau de l'esprit du jeu, ouais, c'était le slogan. Le slogan aussi, c'était à l'époque quand ils l'ont vendu, enfin un des slogans, c'était le jeu le plus méchant de toute la ville. Voilà, je trouve que c'est assez marrant. Écoutez, on va passer directement à la description du plateau. Et puis après, vous avez l'habitude, les règles rapidement, ensuite mon gameplay. Vous commencez à avoir l'habitude, l'objectif maintenant c'est que je puisse parcourir les plateaux de manière plus rapide que ce que je pouvais le faire au tout début, tout simplement parce que vous commencez à mon avis à avoir l'habitude de la construction des plateaux de jeu de flipper. Directement, je vais vous montrer les parties qui sont les zones forcément les plus importantes. Ici, on va avoir une zone tout à gauche qui va nous ramener directement vers les toilettes. On a ici une rampe qui va nous ramener directement sur le flip à droite. La zone de la boule, hein, que je vous disais, avec vraiment des multi-cibles sur les côtés, avec toutes les voitures qui sont garées. Et puis, on a aussi une zone avec un trou, là, ici, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un certain nombre de choses. On a une zone, là, qui est une sorte de VUC, hein, qui permet de re-remonter ici, et puis de re-ressortir. On a, bien entendu, aussi la possibilité d'aller directement au niveau, après, du bus. On a ici notre lanceur qui est placé de manière complètement traditionnelle. Au niveau de la description du plateau, on a aussi une zone qui est un peu particulière, qui est le fait de rentrer directement ici, à ce niveau-là, et ensuite on ressort au niveau du dépotoir, ce qui nous permet de nous ramener sur le côté gauche du flipper. Parce que bien entendu, c'est toujours important dans un plateau de jeu de pouvoir se ramener soit sur le flip gauche, soit sur le flip droite. Pour les règles, un maximum de fun sur Junkyard et notamment pas mal de vidéo mode. Alors je vais vous expliquer les règles. Globalement, l'objectif, ça va être de parcourir les différentes aventures que vous voyez là. Encore une fois, Wizard Mode, Outer Space, l'objectif, ça va être de defeat, donc de battre le Crazy Bob. À chaque fois, pour ceux qui se posent des questions vis-à-vis de ça, je vous le remontre ici, n'oubliez pas que vous avez bien entendu ici, sur la prone, les règles qui vont être indiquées. Donc ça, c'est vraiment votre Outer Space. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va ici parcourir chacune des aventures. Radar, Great Jalopy Race, Great Toilet Adventure et puis le Air Tactical Combat. De manière à pouvoir réussir à faire, bien entendu, ces différentes aventures, dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire, c'est aller collecter des junk. Ça veut dire quoi? Bah, junkyard, ça veut dire en gros dépotoir. Un junk, c'est une ordure en anglais. Donc ça veut dire que sur le plateau de jeu, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont placées un petit peu partout. Et vous allez pouvoir aller les collecter au fur et à mesure que vous allez faire, finalement,
le gameplay au total. Alors, on va avoir par exemple dans les toilettes la possibilité de choose carrément le junk. On va pouvoir collecter aussi des junk quand on fait certaines actions sur le jeu. Ça va se remplir au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on va réussir à remplir cette junk, eh bien, on va avoir accès à nos différents modes de jeu. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va avoir la possibilité, en jouant aux aventures, de collecter des fireworks. Et puis après, ce qu'on pourra faire, c'est utiliser ces fireworks de manière à se lancer justement sur la Outer Space, qui va nous permettre de battre le fameux Crazy Bob. Donc ça, c'est vraiment l'objectif global des modes de jeu, l'objectif global de Junkyard. Et puis, de toute façon, je pense que quand je vais jouer, je vais vous montrer un peu la démo et vous vous rendrez compte par vous-même de comment est-ce que ça peut se passer. I'm Crazy Bob. Allez, c'est parti. Une petite démo. Allez, on a collecté quoi là? Un chiffre de baignoire. C'est parti dans les toilettes. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir choisir ce que j'ai besoin en fonction de ce que je veux construire. Et pour valider, alors soit c'est le bouton qui est juste au-dessus du lance-bille, ou bien aussi parfois c'est les deux en même temps. Ici en l'occurrence, c'est les deux en même temps pour collecter les junk. Donc là vous voyez, j'ai réussi à assembler un élément par rapport au junk que j'ai reçu. De toute façon, je vais me faire quelques games pour avoir le temps de vous montrer un maximum de choses. Vous avez sur le DMV des animations au top. Directement avec cette fameuse qui vient derrière. Hein. Là, on doit essayer de toutes les vidéos mode dont je vous parlais. Là, j'essaye. Là, j'ai raté. Voilà. Là, j'ai le chien. C'est vraiment ça qui crée aussi tout l'intérêt de cette table, c'est pour ça aussi que je vous la montre. Bien entendu, après, quand vous allez pouvoir vous la pratiquer, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, hein, bien sûr. Allez, on va remettre un peu de crédit pour faire une deuxième game, pour que vous envoyez quand même un petit peu plus. Mmh.
ça c'est un peu sans pitié, hein, très clairement, quand on rate comme ça, la rampe sur Junkyard, parce que là très clairement, c'est pas ça que je visais, hein, je visais les toilettes. Donc j'ai pas mis assez de puissance. Et après quand la vie elle redescend, et bien elle est décaissée. Celle-là. Allez, je vais aller essayer de collecter. Alors, je vais essayer d'aller collecter par exemple ça. Oui, ça s'allume au fur et à mesure sur le plastique et ça va permettre ensuite d'assembler les différents éléments que vous avez juste en face de vous. Et donc c'est ça qui va permettre après de collecter le firework, puisque là comme vous voyez je fais la première aventure. En fait en gros j'ai collecté le junk pour pouvoir fabriquer ce que j'ai besoin pour ensuite avec le radar aller essayer de collecter des fireworks qui vont m'aider une fois que je vais faire la Hyper Space pour tuer Crazy Bob. Donc là, c'est les fireworks. Et bien entendu, on voit que le radar il s'est allumé sur mon plastique. Hein. Okay. Donc ça je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment tous les vidéos mode. Let's get out of here. Don't listen to her. On va reprendre toutes ces animations de DMD avec notre vrai DMD. Ah tout ça je m'apprécie la belle. C'est vraiment la bif. Hein. C'est bon, c'est toutes ces cartes des années 90, c'est ça qui fait un maximum d'immersion et de charme. Alors le Magic Bus, petit bonus. Il marche pas mal aussi sur pas mal de flippers, je vous l'avais déjà montré sur LOTR, sur Lord of the Ring, hein. C'est qu'en restant appuyé sur clic gauche ou droite, eh bien vous pouvez activer, d'ailleurs on le voit sur le playfield, hein, il y a marqué Use to answer display equation, All for Stratus report, et bien en fait, ici, en cliquant, on va pouvoir aller checker justement combien est-ce qu'on a, donc là, combien est-ce qu'on a besoin de choses, on a donc 6 feux d'artifice et ils disent qu'il en faut 20 au total, etc. Donc on voit vraiment les différentes informations des collectifs qu'on a réussi à avoir. Donc là en l'occurrence voilà 6. On a, donc là on voit les pièces d'armor, ici on voit toutes les différentes choses qu'on a besoin. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite aussi à faire en game quand c'est des tables qui le nécessitent pour que vous voyez à quel endroit vous êtes arrivé au niveau du gameplay. Thank you.
vous voyez ce que j'essaye de faire. J'essaye de récolter hein, des junk, hein, donc des ordures. Voilà la petite Alors, qu'est-ce que je vais construire? Si je peux essayer. Alors. Ah, ça peut être pas mal. Voilà, là j'ai assemblé, hein. je vois mon. Ah mince, ça l'a mais je voyais mon guide de construction. Voilà, c'est marrant parce qu'en fait, comme j'ai allumé les spots bleus sur le côté, j'ai ma guide qui a été carrément recyclée. Un peu comme dans Cactus Canyon, il y a aussi une sorte de loterie au début qui vous permet de collecter dans l'encens. Un peu comme quand on collectait les tâches. Alors finalement, les guides de construction, vous les voyez sur le plateau 2, juste devant les flips gauche et droite, qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos constructions, pour pouvoir aller faire les différents modes de jeu, sachant que là, vous voyez, j'avais deux modes qui étaient allumés, j'avais l'aventure 2 et 3 que je pouvais faire. Bon, bah écoutez, là on collecte, je pense que c'est la fin de la game, mais j'espère vous en avoir montré suffisamment pour vous donner envie de jouer à cette super table. J'espère que cette table vous aura plu, que vous aimerez y jouer, et que notamment par rapport à son côté déjanté. Je vous rappelle que pour nous aider, il ne faut pas hésiter tout simplement à liker, à partager, un petit clic, un petit pouce bleu. Pour nous, ça nous fait toujours du bien et on est toujours contents. Ça participe à notre référencement et ça aide ma bande d'arcade. Allez, ciao, prenez soin de vous.